Hello tout le monde, merci d'être ici. Avant de parler d'orchestration, d'architecture ou même de temporal, je voudrais qu'on se remette un peu tous dans nos baskets de jeunes développeurs, de jeunes étudiants qu'apprend la programmation. Donc c'est peut-être le cas pour certains ou peut-être plus ancien pour d'autres. Et on commence à coder nos premiers processus métiers. Et à ce moment-là, ça ressemble à peu près à ça. Il y a un début et une fin bien marqués, pas trop d'étapes. Si on se donne un exemple, moi j'aime bien la pâtisserie, donc faire un gâteau, ça pourrait être un exemple. Et donc il y a des paramètres. Et si je codais ce processus métier, ça ressemblerait à ça. Et cette méthode, on l'adore. Premièrement parce que c'est de la pâtisserie, mais ensuite parce que tout est synchrone, tout est transactionnel, ça tient dans une méthode, donc c'est testable, facilement maintenable, etc. Du coup, je suis super content, premier job, première mission, le PO il me dit « Bon bah Hugo, ça y est, tu sais faire des processus métiers, je voudrais que tu m'implémentes celui-là. » Alors là, ok, ça ressemble pas vraiment à ce que je connais, on va se le décortiquer ensemble. Bon bah je reçois une commande au début, je réserve quelque chose dans mon inventaire, donc ok, ça apparaît de commande. Et là, il y a des nouvelles choses qui apparaissent, je vais devoir mettre en pause mon process. Je vais devoir recevoir une autorisation de paiement qui me vient d'un prestataire externe. Donc là, ok, de base, mon process il est distribué. Je n'avais jamais trop demandé ça. Je vais devoir capturer un paiement. J'ai des interactions humaines au milieu pour envoyer la commande, etc., etc. Je vais avoir des politiques pour gérer mes erreurs. Et puis finalement, je vais avoir des choses qui vont potentiellement prendre du temps. Et ok, je me sens un peu dos au mur. Mais mon processus métier n'est pas si simple. Et puis après, j'ai mon tech lead qui arrive et qui me dit « Ah ouais, Hugo, en fait, je t'ai pas dit, mais en plus de tout ça, il faudrait que tu mettes des retries sur les webhooks, des retries sur les opérations critiques. Tu vas devoir gérer différents états. Par exemple, quand l'utilisateur va devoir envoyer la commande, il va avoir besoin des choses du tout début de ton process. Comme d'hab, on a besoin d'observabilité, de pouvoir tester, de scaler individuellement mes différentes briques, etc., etc. Vous comprenez où je veux en venir ?» Et donc là, je me retrouve en fait à devoir coder quelque chose qui n'est pas forcément ce que j'avais envie. Moi, je savais coder des processus métiers. Et je vais devoir coder toute une architecture autour de ce processus métier, toute une plomberie. Et ce n'est pas ce que je sais faire. En fait, un bon indicateur que vous êtes dans ces cas-là, c'est quand votre process ne tient plus dans une seule transaction ACID. Vous trouvez dans ces problématiques-là. Et ces problématiques, elles sont complètement indépendantes de mon domaine, complètement indépendantes de mon métier. C'est toujours la même chose. Toutes les boîtes, à un moment donné, en grossissant, elles arrivent à ces problématiques-là. Et là, ça me fait un peu tic. J'ai plusieurs options. Une des options, c'est passer 6 mois à recoder toute l'architecture, la plomberie, le tooling qui va me permettre de répondre à mon besoin. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour prendre cette option-là. Je vous propose qu'on fasse tout ça en 45 minutes. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo, j'ai travaillé pendant 1 an et demi en mission avec Temporal, on avait eu toute une archi autour de ça, et j'ai adoré l'outil, donc je suis venu vous en parler aujourd'hui. Je suis consultant Takima, on est partenaire depuis 2 mois, je pense, donc tout disposé à répondre à vos problématiques là-dessus. Et donc, bienvenue dans mon talk. Bon, on a déjà compris ce que c'est un workflow c'est le mot anglais pour un processus métier. Et le but de Temporal, ça va être d'exécuter de manière durable notre processus métier. Ça veut dire qu'on ira au bout, même s'il y a quelque chose qui se passe mal au milieu, qu'à chaque étape, je suis capable de connaître l'état de mon process, et je sais partout par où est passé mon process, et donc les différentes étapes et les états intermédiaires. Donc aujourd'hui, on va coder la plateforme de Video Games, donc c'est une plateforme, une plateforme de jeux vidéo qui vend des jeux vidéo en ligne, dans l'espace. Donc on va se faire un process qui ressemble à ça. Mais avant, j'ai lancé quelques trucs sur mon ordi, il faut que je vous en parle un petit peu. Donc j'ai lancé un cluster temporal. Pour l'instant, on va considérer que c'est une boîte noire. Je l'ai lancé avec le Docker Compose de la doc, donc ceux qui savent lire une doc, normalement ça ira. Et j'ai une application découpée en 4 briques, 4 microservices si vous voulez, où dans chaque brique, j'ai un module Maven avec des API. Donc c'est vraiment des API dans le sens Java du terme. Ça ressemble à ça. Aujourd'hui, je vais faire du Kotlin parce que je suis un peu rouillé en Java, mais promis, il n'y aura rien de trop kotlinesque. Et ensuite, dans chacune de ces briques, j'ai une implémentation de l'API juste au-dessus.
Aujourd'hui, c'est du Spring, mais en fait, il n'y aura rien de spécifique à Spring. Et donc, ça ressemble à ça. Vraiment des services qu'on ne va même pas toucher et qui implémentent la couche du dessus. En plus de tout ça, j'ai mis le SDK temporal un peu partout. Donc, c'est vraiment le SDK Java. Et le but... Donc, j'ai un petit peu de config Spring, donc il n'y a pas besoin du détail. C'est juste pour que vous ne soyez pas surpris si on injecte quelques trucs de temporal pour montrer que ça prend 6 lignes. Et que vous ne soyez pas surpris. Le but d'aujourd'hui, ça va être, dès que j'ai un service qui va avoir besoin d'appeler un autre service, ça va être temporal qui va gérer toute la plomberie et qui va me faire le travail à ma place. Donc on va faire notre première exécution du RAM, notre premier workflow. On part d'une commande qui nous arrive peut-être d'une API, d'un contrôleur, un utilisateur qui a fait une commande sur un site internet. On va réserver un article auprès de l'inventaire et on va envoyer la commande. Donc pour l'instant, très simple. Donc ça, dans temporal, ça s'appelle un workflow. Un peu de jargon. Un workflow dans temporal s'appelle un workflow. Tout va bien. Mon workflow, il peut avoir une input et une output. Aujourd'hui, il y aura juste un input. Et différentes étapes. Ces étapes dans temporal s'appellent des activités. Bon, il n'y a plus qu'à. On va orchestrer tout ça ensemble. S'il y en a qui ne sont pas trop familiers avec ce à quoi ressemble l'orchestration, si j'étais dans un monolithe Spring et que je faisais de l'orchestration, ça ressemblera à ça. C'est juste que je décris les différentes étapes de mon process, un peu comme une recette de cuisine. Pour peu que je suis capable de mettre une transaction au-dessus de ça, là, transactionnelle, et ce serait totalement valable et fonctionnel. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire du Spring, on va faire du temporal. Donc je ne vais pas injecter mes dépendances à travers mon constructeur, je vais les injecter à travers temporal. Donc j'ai une petite méthode qui me permet de faire une injection de dépendance, donc c'est un activity stub. Là, mon shipping service est une activité temporale. Donc c'est un shipping et il va falloir des options. Ces options, il me faut deux choses. La première chose, c'est une queue. On verra juste après ce que c'est. Donc là, c'est une queue pour shipping, je l'appelle shipping. Et un start to close timeout. En gros, c'est un timeout à partir duquel je considère que si mon activité ne s'est pas terminée, je la considère en échec. On va mettre 10 secondes. Aujourd'hui, normalement, il n'y aura pas de timeout. On va faire pareil avec l'inventaire. Dans la vraie vie, vous ferez sûrement des petites méthodes utiles. Je m'en suis fait aussi. C'est pour aller plus vite dans le live coding, mais c'est aussi un bon indicateur pour vous de la développeur expérience qu'on pourrait avoir si on se faisait ces petites méthodes utiles. Donc tout ce qui commence par my, ça vient de moi, et c'est des petites méthodes, des wrappers en gros du SDK. Et du coup, là, c'est l'inventory service, inventory. Pour faire ça, là, pour l'instant, hop, on ne veut plus de Spring. Il va falloir que je dise à temporal que, OK, cette interface-là, donc vraiment une interface de base, c'est une interface d'activité. Donc, une activity interface. Il ne me reste plus qu'à lancer mon process. Donc, si on retourne là-dedans, j'ai envie de lancer ce process-là. Ce process-là, hein, c'est aussi une interface. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ma commande elle vient d'un contrôleur, d'une API, donc je vais aller dans le order controller pour pouvoir lancer mon process. Ici on est dans un contrôleur Spring, un contrôleur Quarkus, ça serait à peu près la même chose, et je récupère un workflow client. Ce workflow client, il me vient de ma configuration que j'ai fait juste avant, et c'est ce qui me permet depuis l'extérieur de temporal, d'appeler temporal. Et du coup, le but ça va être de lancer un workflow. Donc un peu de la même manière que tout à l'heure, pas celui-là. Tac, je vais me créer un workflow stub. Encore une fois, je vais avoir besoin d'options. Et là, cette fois-ci, il va me falloir un ID de workflow. Donc moi, c'est une commande. On va mettre l'ID de la commande. Tac. Tout. Donc mes ID de commande, c'est des UID. Il faut un string. Et une task queue. Donc là, moi, je fais une commande, donc je vais mettre sur order. Il faut juste que je m'importe ça. Et ensuite, il va falloir que je lance mon process de manière asynchrone. Donc je ne vais pas attendre que tout mon process se finisse avant de retourner à mon contrôleur. Et du coup, je vais démarrer la méthode processOrder avec l'argument order qui vient de mon contrôleur. Donc cette méthode-là, c'est bien celle de mon interface. Si je reviens ici, la méthode retournée par ça, c'est bien une instance, en réalité un proxy, de processOrderWorkflow. Un peu de la même manière que tout à l'heure, il va falloir que j'annote ma méthode pour dire que c'est un workflow. Donc workflow interface qui vient du SDK temporal. Exactement pareil au niveau de ma méthode.
Bah, à peu près à ce moment-là, on a fini tout notre code et on va pouvoir lancer notre appli. Avec un peu de chance, elle démarre. Et bon, là, je suis dans mon contrôleur, c'est un Swagger. Je vais pas mettre de body, ça va me simuler une commande, ce sera plus simple. Et ça me répond 200. Si je vais voir un peu ce qui se passe dans Temporal, j'ai mon process qui run. Donc là, je vous présente le dashboard Temporal. C'est un peu l'équivalent du dashboard Rabbit, mais c'est un peu plus joli. Et donc, si je clique sur mon workflow, je vais avoir pas mal d'informations. Un petit summary, le type de mon process, la queue, un input et un output s'il y en avait un. Donc ça, c'est un peu le meilleur ami du développeur si vous développez avec Temporal. Donc niveau DX, on est content. Et là, j'ai juste un petit message qui me dit « Ok, j'ai pas de worker running, il n'y a pas de worker sur la queue order. » Donc là, ça fait beaucoup d'informations, je propose qu'on se fasse un petit récap. On est parti d'un cluster temporal et d'une application découpée en microservices, donc vraiment pas de temporal, des contrôleurs, des services, des DAO, chacun peut avoir sa base de données. Bah, ces services-là, dans temporal, ça s'appelle des workers. Pour communiquer avec les workers, temporal, il va avoir besoin de queue. Donc ça ne va pas être du FIFO comme on a l'habitude dans du Rabbit, par exemple, ça va juste servir d'aiguillage vers mes différents workers. Donc on va aller se créer l'order worker. Hop. Il va falloir une queue, donc moi c'est sur la queue order. Et ensuite, quand temporal il va dire « Ok, je veux que tu exécutes process order workflow », il va falloir que mon worker ait une implémentation de ce truc-là. L'implémentation de ce truc-là, on l'a codé ensemble, ça s'appelle process order workflow IMPL. On fait pas des choses trop sophistiquées. Et là, à partir de ce maintenant, mon worker est capable d'exécuter les choses pour temporal. Donc j'ai enregistré la définition de mon workflow, un peu ma recette de cuisine, dans mon worker. Dans cette recette de cuisine, si on la reprend, il y avait différentes tâches. Inventory service, réserve article, et envoyer la commande auprès du shipping. Ces différentes tâches s'appellent des activités. Quand je vais les appeler, ça va passer dans temporal, et temporal va venir appeler mes autres workers. Donc il va falloir que je crée aussi mes implémentations de mes activités dans mes workers. Donc si par exemple je vais dans le shipping worker, je vais devoir, donc là je le mets sur la queue shipping, on réinvente pas la roue, et cette fois-ci, je ne vais pas donner une classe qui va être gérée par temporal, mais je vais donner une implémentation. En fait, je vais donner un singleton. Moi, c'est des workers Spring, donc des singletons dans une app Spring, j'en ai plein, et je vais juste, hop là, j'écris n'importe où, je vais juste m'injecter mon shipping service dans temporal. Donc en fait, dès que temporal va demander à mon worker d'exécuter des choses, c'est mon implémentation Spring qui va les exécuter. En lançant mon application, on devrait voir dans les logs que des choses se passent. Et qu'effectivement, mon article a été réservé et ma commande a été livrée. Donc ça y est, on vient de faire notre premier workflow temporal. Je vais vous montrer le dashboard actualisé ici. Mon workflow est complété. Je vois l'historique de mes opérations. Et ça y est, j'ai fait mes premiers pas avec Temporal. Donc on se souvient, on part d'une recette de cuisine, qui est la définition de mon workflow, c'est un peu ma classe implémentation, et à chaque fois que je vais la lancer, si j'en lance plusieurs, ça va me lancer une exécution temporale à chaque fois que je vais lancer mon process. Donc là, j'ai lancé trois fois mon process, ça ne se refresh pas direct, mais en gros, j'ai fait trois workflows temporales. Ces workflows temporales, ils vont avoir différentes étapes, les étapes de ma recette, s'appelle des activités, et c'est implémenté par mes BeanSpring. J'aurais pu mettre des Pojo qui font ma couche de service, ça marchait très bien aussi. Donc en fait là, juste en implémentant notre première méthode, on a vu que c'était distribué et scalable, parce que j'ai réparti mon travail entre plusieurs workers. Si j'avais déclaré plusieurs workers qui font la même chose, j'aurais scalé horizontalement mes workers. Et finalement, ça a l'air facile à utiliser, parce que si je retourne dans mon implémentation, j'ai changé ma tuyauterie et mon injection de dépendance, mais en réalité, mon code plus métier, lui, il n'a pas bougé. Donc je ne suis pas trop loin des choses, des standards que je connais, et je suis super content. Bon, un petit peu d'eau. La deuxième chose, c'est
Bah, le dashboard, il est très bien pour un développeur et on l'utilise beaucoup. Mais si je veux le donner à quelqu'un qui est plus du métier, à un vendeur de videogame, bah, ça ne va pas être top. Et bah, du coup, on va se poser quelques questions. Ok, comment je peux aller observer ce qui se passe à l'intérieur de mon workflow? J'ai spoilé, pardon. Si on retourne ici, on a vu qu'à chaque fois que je lançais un workflow, que je lançais une commande, pardon, je lançais un workflow. Donc en fait, je suis capable de lister mes workflows dans temporal, je vais être capable de lister mes commandes finalement. Je peux complètement filtrer mes commandes par un type là. Et donc bah, je vais garder ce filtre plus clair comme ça. Donc j'ai tout un query language pour aller filtrer mes workflows. Et du coup, on va s'implémenter au niveau de mon contrôleur, bah, le endpoint qui me permet de lister mes commandes. Donc là, je suis dans mon contrôleur Spring, donc je n'ai pas de temporal. Je vais utiliser le workflow client. Tac. Donc, il y a une petite méthode qui s'appelle list, workflow client, list executions. Et ici, je peux mettre une query. Bon, la query, je ne vais pas l'inventer. Hein, j'ai listé mes workflows de type commande. Je vais la coller ici. Et ensuite, il va falloir que je map pour récupérer un stream de order list element. Donc c'est mes DTO de commande. Il me faut un ID. Moi, l'ID de ma commande, c'était l'ID de mon workflow. Donc je récupère. Il me faut une date, execution time, et ensuite il me faut un shipping status. Alors celui-là, je ne suis pas capable de le récupérer pour l'instant. C'est un peu compliqué là ce que je viens de faire apparaître. En gros, dans Temporal, il y a des search attributes. Je ne m'attarde pas là-dessus. Pour l'instant, on ne l'a jamais rempli. Donc un search attribute, c'est une nouvelle colonne que vous pouvez mettre quand vous listez vos workflows. Vous pouvez query dessus éventuellement. Pour l'instant, on ne l'a jamais rempli. Donc, on va la remplir à pending, value of or pending. Et en lançant mon app, pas en mode debug parce que c'est long, je devrais pouvoir lister mes workflows. On va pas utiliser Swagger tout le long. J'ai fait un petit dashboard qui me permet de lister mes commandes. Là, on se souvient, elles sont en attente de paiement parce que je les ai toutes mises en pending. Mais si je fais une nouvelle commande, elle devrait apparaître avec un peu de chance. Ouf. Et donc, bah, ça y est, je peux commencer à donner de l'observabilité à mon vendeur de la plateforme. Bah, là, mon vendeur, il voit un petit bouton voir, il va avoir envie de cliquer dessus. S'il clique dessus, ça ne va forcément pas marcher. Simplement parce que si je descends un petit peu dans mon contrôleur, le getOrder by ID, c'est un to-do. Un to-do en Kotlin, c'est une exception. Donc, ça ne va pas marcher. Là, ce que j'aimerais bien faire, moi, c'est aller chercher la commande, on se souvient. Elle est quelque part par là en fait. J'aimerais bien récupérer mon workflow avec son ID et aller récupérer la commande qui est à l'intérieur de mon workflow. Pour récupérer un workflow par son ID, on peut faire un new workflow stub et juste, donc là il va falloir mettre le type, le caster dans le bon type et mettre l'ID. Ok, jusque-là pas trop dur. Ça, si je me fais une variable, c'est bien le type process order workflow, ce type-là. Okay, donc là j'ai une instance de ce truc-là dans mon contrôleur. Et moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est une méthode du genre return, genre un petit getter sur mon order. Ce serait vraiment chouette que je puisse faire ça. Bon, en fait, on va l'implémenter. Tech. On va créer une nouvelle méthode. Cette fois-ci, ça va pas être la workflow méthode. C'est une méthode qui va me permettre d'aller chercher de l'information dans mon exécution. Quand on va chercher de l'information dans temporel, ça s'appelle une query. Donc on va annoter cette méthode-là pour dire à temporal, ok, ça représente une query. Ça vient du SDK de temporal, un query method. Et il me reste juste à aller implémenter ce truc-là dans ma commande. Donc là, on ne va pas mettre un to-do, on sait ce que c'est maintenant. Et on va juste dire, ok, on va se créer une petite variable égale order. Et on va se créer la variable qui va bien. Tac. On se la met ici. On se crée une variable. Late init en Kotlin, ça veut juste dire qu'elle n'est pas au début, mais que je fais confiance au développeur pour que tu l'initialises avant de la récupérer. Et bah là, je peux simplement retourner mon order. Peut même se faire un petit peu de Kotlin. Pour ceux qui n'en font pas d'habitude, vous aurez appris quelque chose. Et voilà. Donc là, j'ai implémenté un getter sur ma commande, qui va être sur mon process, pardon, qui va être interprété comme une query par temporal et qui va être appelé par mon contrôleur. Donc si je retourne dans mon dashboard, que je me fais une nouvelle commande et que je clique sur le bouton voir, je croise les doigts encore plus que vous pour pouvoir voir ma commande.
Donc là, Halo 4, 13,68€, tout va bien. Donc en fait, au niveau observabilité, je vais pouvoir faire un peu tout ce que je veux. Je vais pouvoir lister mes exécutions, je vais pouvoir récupérer un workflow par son ID avec cette méthode-là, et je peux appeler des méthodes pour récupérer de l'information à l'intérieur de mes workflows avec une query. Petit disclaimer, aujourd'hui, notre workflow il représente fortement un objet métier, hein, une commande, c'est un objet métier. Si vous avez des objets métiers aussi importants, peut-être quand même que ça vaut le coup de les mettre dans une vraie DB et de pas passer par temporal. Mais pour le bien de la démo et le côté visuel de du dashboard, je l'ai fait à travers temporal. Par contre, donc niveau observabilité, on est top. Pour tout ce que vous voulez, si vous voulez observer un onboarding d'utilisateur, ça peut être hyper intéressant d'aller chercher ça dans temporal, par exemple. Mais par contre, on met le doigt sur un truc, c'est qu'en fait, chaque workflow va être responsable de son propre état. Donc si, en fait, dans mon workflow, dans mon implémentation de mon workflow, comment je peux y retourner par ici, à la fin, je dis que je veux update le shipping statut de ma commande. Je vais juste me faire une méthode parce qu'on va le faire beaucoup. Je vous explique le détail après. Et je veux dire, OK, bah là, ma commande shipped est livrée. Bah, je peux complètement le faire dans mon implémentation ici. En plus de mettre à jour le statut de mon objet order, je vais venir mettre le search attribute. Vous vous souvenez, c'est la petite colonne ici, là, qu'on n'avait pas remplie jusque-là. Cette petite colonne-là, dès que le statut de ma commande change, bah, je vais venir mettre à jour cette colonne ici aussi. Je vais juste me l'initialiser au début aussi, avec le shipping status, et jusque-là, on devrait être pas mal. Bon ben, oups là. Mes vieux process, eux, ils sont déjà passés, ils sont pas à jour, mais si je refais une commande maintenant, je sais pas si on va avoir le temps de la voir, on va s'en faire plusieurs. En attente du paiement, puis après, elles vont être envoyées. Voilà, en attente du paiement, et elles passent à envoyer automatiquement. Donc en fait, chaque workflow est capable de gérer son propre état, mais je ne vais pas avoir besoin de me souvenir de l'état de mon process dans chacun de mes microservices pour savoir ce que je dois faire. Donc niveau management d'état, on est top. Et on va continuer. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on a fait une commande, on réserve la hantée, on envoie la commande, on n'a pas parlé de paiement. Et mon vendeur de videogame, même s'il a une montre un peu bizarre, il aimerait bien être payé dans les temps. Et du coup, on va faire évoluer notre process, qui jusque-là ressemblait à ça, avec deux nouvelles notions. La première, c'est qu'on va attendre l'autorisation de paiement. Ceux qui ne sont pas familiers avec les paiements, l'autorisation de paiement, vous savez, c'est quand il y a écrit -300€ à venir sur votre compte. Ça, c'est que votre paiement est autorisé. En général, ça vient par un webhook de votre prestataire de paiement, donc Google Pay, Apple Pay, Stripe, je ne vais pas tous les citer. Et après, on va venir capturer le paiement. Et donc, la capture du paiement, c'est quand ça passe de -300€ sur le compte à complètement débité d'un compte à l'autre. Et donc, on va venir s'implémenter ça et faire évoluer notre workflow. Donc, on est avant le shipping et après l'inventaire. Donc, on a l'autorisation de paiement. Je mets des petits commentaires, ce sera plus facile à suivre pour vous. Tac. Et on va vouloir attendre que le statut de mon paiement soit autorisé. Alors là, c'est un peu mystique ce qu'on fait, mais OK. On laisse comme ça, on se met un await dans du Java, tout va bien. Et ensuite, une fois que on a attendu, on ne sait pas trop comment pour l'instant, l'autorisation de paiement, et payment capture, on va venir capturer le paiement. Il va falloir mon payment service qu'on va s'injecter de la même manière que tout à l'heure. Hop, je vais juste l'écrire de la même manière pour que ce soit plus cohérent. Donc là, je me suis injecté mon payment service et je peux appeler la méthode capture payment. Order payment ID. OK. Maintenant, si je lance ce process-là et qu'on fait confiance à ce que j'ai écrit, je risque d'être bloqué sur l'étape où on attend ce qui se passe. Donc on simule une commande et effectivement, on est bloqué en attente du paiement. Donc là, on est bien à cette ligne-là, et il va falloir qu'il se passe quelque chose dans notre process. L'autorisation de paiement, elle nous vient de notre prestataire de paiement sur une API qui nous envoie un hook. Et donc, on va aller au niveau de notre payment controller. Ici, on reçoit notre webhook d'autorisation de paiement, et il va falloir qu'on aille dire à notre workflow, OK, le paiement est autorisé. Et bien, un peu de la même manière que tout à l'heure, quand on a allé chercher l'order à l'intérieur de notre workflow, on va pouvoir faire une méthode
pour dire qu'on marque le payment as o. Tout typo est crucial ici. Tac. Et on va venir marquer ce paiement comme autorisé. Cette fois-ci, ça ne va pas être une query. On ne va pas aller chercher l'information dans notre workflow. On va aller en envoyer. Et du coup, ça s'appelle un signal. Signal. OK. Il nous reste juste à implémenter cette méthode. Tac. Et du coup, on marque le statut du paiement comme autorisé. J'ai vu le double égal. En relançant mon app, mon workflow est toujours bloqué ici. Sauf que si je fais voir, ça prend un peu de temps parce que là, pas débarré. On espère. Yes, je vais pouvoir simuler le webhook de paiement de ma commande. Et à partir de là, je devrais pouvoir continuer mon process. Donc là, il s'est passé un peu de magie, mais on va l'expliquer juste ensuite. Déjà, la première chose, c'est que j'étais capable de mettre en pause mon process et d'attendre une condition avant de continuer. La deuxième, c'est que j'ai pu envoyer une information à l'intérieur de mon process. Donc, niveau callback, on est OK. Et du coup, on va faire un petit truc marrant. C'est qu'on va se relancer un process et on va se demander la question de « Ok, qu'est-ce qui se passe si là mon app elle crash ?» Genre je kill mon app. Bon, en fait, il va rien se passer. À ce moment-là, un process running, c'est juste un état que Temporal garde, mais il ne se passe rien, il n'y a pas vraiment de ressources qui sont allouées. Et donc en fait, c'est complètement compatible avec des process qui vont prendre du temps, où mes apps vont redémarrer, je peux éventuellement avoir des indispos ou des choses comme ça. Ça ne posera pas de problème. Donc complètement compatible avec des process qui durent longtemps. Un petit bonus, si j'avais voulu au bout de 7 jours envoyer un mail à l'utilisateur pour lui demander son avis sur le produit, sans Temporal, il aurait fallu que je mette des crons en base, faire des choses un peu mystiques, ça ne scale pas très bien les crons en général. En Temporal, ça aurait pris 2 lignes. Je mets mon workflow en slip pendant 7 jours et j'appelle mon service d'email pour demander la review à l'utilisateur. Donc hyper simple, hyper efficace. Les schedules, c'est facile. Il y a aussi des crons dans Temporal, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. On a mis un slip dans du Java, on a mis un await aussi dans du Java, et donc il est temps qu'on comprenne un peu comment ça se passe. Si je retourne dans mon dashboard, en fait, pour chaque process, Temporal va venir m'écrire un historique de ce qu'il a fait. Donc là, je vois qu'il a complété la tâche réservée à un article. Donc si on reprend notre recette de cuisine et qu'on sait que j'ai réservé un article, OK, j'ai réservé un article, donc j'en suis probablement à là. Mais en fait, Temporal, il fait exactement la même chose. Temporal, à chaque fois qu'il va se passer un truc dans mon workflow, qu'une activité va démarrer, qu'elle va s'arrêter, un signal qu'il va recevoir, il va écrire dans son historique. Et si je vous dis que là, j'ai bien reçu mon paiement, j'ai bien réservé mon article dans l'inventaire, que le paiement a été autorisé et que j'ai capturé mon paiement, vous êtes capable de me dire « Ok, on doit se trouver quelque part par là. » Donc la prochaine étape qu'on va faire, c'est aller envoyer la commande. Et en fait, Temporal, dès qu'il va se passer un truc dans notre workflow, il va venir redérouler notre méthode Java. Si la chose a déjà effectué, il va juste la skip et prendre le résultat qu'il aura enregistré et passer à la suite. Comment ça fonctionne là-dessous? En fait, c'est l'heure d'ouvrir un peu ce cluster temporal. Vous connaissez déjà le dashboard, même si ça ne fait pas partie du cluster. Dans un cluster temporal, il y a une partie serveur et une partie persistance. Il y a différents services dans la partie serveur, ce n'est pas l'intéressant d'aujourd'hui. Il y a surtout une partie persistance. Je passe rapidement, mais tout est écrit en Go. La partie persistance, c'est Cassandra, Postgres. Pour la partie visibilité, donc c'est ce qui s'occupe de lister les workflows, par exemple, vous pouvez mettre du Elastic. Là, en local, je crois que j'ai Postgres Elastic. Il y a aussi du MySQL. Si vous voulez déployer chez vous, il y a des ressources Helm. Vous pouvez déployer ça dans votre... C'est open source. Et donc, vous pouvez déployer ça dans votre infra. Et en fait, toute la clé de Temporal, elle va se passer ici. En fait, tout ce qui se passe dans ces workflows, il va le persister dans sa propre DB. Peu importe l'implème, ça ne changera pas pour nous. Et c'est grâce à ça que c'est si puissant, en fait. Ça nous donne aussi un petit point d'attention, c'est que tout ce qu'on fait rentrer et sortir, ça doit être réalisable.
Donc c'est plus une formalité qu'un pain point, mais c'est important de le savoir. Si on revient à notre process qu'on voulait faire évoluer, dans notre process, donc on va parler un peu des super pouvoirs de temporel, on est encore loin du niveau max. Dans notre process, si on prend la commande, ce n'est pas vraiment un process IT, hein, ce n'est pas un ordinateur qui va envoyer mon colis à son utilisateur. Ce qui nous intéresse sur la livraison, c'est plutôt son état, c'est de savoir qu'ici c'est pending et qu'ici c'est envoyé. Donc je propose qu'on se pose la question de « Ok, qu'est-ce qui se passe quand mon process qui m'intéresse, ce n'est pas les différentes briques de mon process, mais c'est plutôt les différents états. Comment ça se passe s'il y a beaucoup d'interactions, des choses comme ça. Par exemple, un process où il y a beaucoup d'interactions humaines. » Donc je reprends mon diagramme depuis le début, je fais rentrer la notion d'état. Donc là, il y a shipping pending, c'est notre première ligne ici, et on va coder ensemble la next step de notre process. Une fois que je reçois mon autorisation de paiement, que j'ai réservé mon article, je vais vouloir mettre mon statut de ma livraison en attente de préparation. Donc on va le faire ensemble. Donc, après l'autorisation de paiement. À ce moment-là, je risque peut-être de faire des typos. Je compte sur vous pour crier s'il y a un typo. Vraiment, dites-moi, oh là, ça va pas Hugo. Parce que c'est très gênant pour moi, ça l'est encore plus pour vous, donc je compte sur vous. Du coup, on voulait, hop, j'ai un peu spoil, attendre la préparation, donc prepare shipping. Donc, après avoir autorisé le paiement, on veut mettre à jour le statut de notre méthode à awaiting. Personne n'a crié. Awaiting préparation. Ok, next step, on va attendre que la commande soit préparée. Donc là, c'était. Parce qu'en fait, on veut vérifier qu'on est capable de préparer le colis, par exemple, avant de capturer le paiement. En gros, on capture le paiement juste avant d'envoyer le colis, au cas où il y a un problème après, par exemple. Donc, on prépare le shipping, donc on va mettre à jour... Non, on voulait attendre que la commande soit préparée. Alors, d'ailleurs, pour un shipping status... Donc là, ça y est, c'est le moment où notre colis est prêt, il a une étiquette dessus, et on est prêt à l'envoyer. Donc, on attend ça. Une fois que c'est bon, notre commande est préparée. Donc on attend que la commande soit préparée, c'est ça. On capture le paiement, donc on est ici, et ensuite, on va attendre que la commande soit on va passer la commande en attente de préparation, en attente de livraison. C'est un peu un micmac ici. Notre commande est en attente de livraison, et puis finalement, shipping service, ce n'est pas vraiment une méthode informatique, c'est plutôt un process humain. Et on va juste attendre que notre commande soit livrée. Tac. Donc là, si on ne s'est pas fait trop de nœuds au cerveau, on devrait avoir des nouvelles options qui s'affichent sur notre dashboard. On se fait une nouvelle commande. Elle est en attente du paiement. On va simuler le paiement comme tout à l'heure. Elle va passer à préparer. Donc là, si on prend où on en est en attente de préparation, on est là et on attend que la commande soit préparée. On peut préparer la commande. Là, on n'a pas implémenté ce endpoint là. Donc si je tape des choses là-dedans et que je fais passer à la suite, il ne va rien se passer. Ouais, parce que vous vous souvenez, tout à l'heure, quand on a implémenté le await, on a implémenté le signal qui venait marquer notre commande comme préparée. Donc ces trucs-là, c'est par rapport au shipping. On va marquer la commande comme préparée, on va marquer la commande comme envoyée. Et du coup, on va passer au shipping service pour revenir mettre à jour. Pas du tout. Order shipped. Raté. On va se les implémenter ensemble. Tac. Donc il me faut une commande pour marquer ma commande comme préparée. Tac, as prepared. Elle peut récupérer. Donc ça va être un signal, pardon. On va envoyer de l'information. Non, c'est pas du tout ici. C'est dans mon workflow. Tac. Je
je réessaye un petit raccourci, tant pis, je les ai pas. Donc, mark order as prepared. À ce moment-là, donc ça va être de nouveau un signal, on envoie de l'information à l'intérieur de mon workflow. Au passage, pour un signal, on a le droit d'envoyer des arguments. Donc ici, par exemple, je peux envoyer le tracking number. Tech, c'est une string, typo. Donc là, je peux aller au niveau de mon shipping controller et dire OK, donc mark order as prepared. Tech, mark order as prepared, et je récupère l'ID de ma livraison, donc le numéro de suivi. Pareil, mark order as shipped, on peut me dire order shipped ici, on fait dans l'autre sens cette fois-ci. On se crée la méthode, ça va de nouveau être un signal, et il nous restera juste à aller implémenter ces trucs-là dans notre implémentation. Donc là, il y a pas mal de code, mais en réalité, c'est pas tant que ça. Donc on va mettre à jour le shipping statut, tac, prepared. Au passage, le tracking number, on va le rajouter dans notre commande. Shipping tracking number, tac, et order shipped. Pareil, on peut se faire un peu de Kotlin si on a envie. Et cette fois-ci, bah, quand je vais pouvoir aller sur mon dashboard et cliquer sur les boutons, tout devrait fonctionner comme prévu. Je me suis un peu mouillé. On récupère la commande, ça prend du temps, mon app démarre. Ok, je peux entrer un numéro de suivi, je suis assez fort pour écrire un numéro de suivi. Et je la marque comme préparée. Ma commande passe à envoyer. Si je clique dessus, je vois que ma commande est bien en attente d'envoi. J'ai bien le numéro de suivi. J'ai bien mon paiement qui est autorisé mais pas encore capturé. Je peux la marquer comme envoyée. Et là, elle est terminée. Et dans mes logs, tac, doit être celui-là, raté. Run. Si je clique là-dessus, ça va relancer mon app. Ok, c'était bon. Mon paiement a bien été capturé, il y a l'ID de mon paiement, et tout va bien, je suis arrivé au bout de mon process. Donc en fait, pour les process où c'est plus mon état qu'importe que mes opérations, bah, c'est hyper adéquat, parce que bah, tout est centralisé à un seul endroit, j'ai pas besoin de persister l'état de mon process dans différentes briques de mon applicatif, c'est Temporal qui sauvegarde cet état. Un deuxième super pouvoir de Temporal, c'est qu'aujourd'hui, là, on a écrit bah, tout notre process métier dans une seule méthode Java. Là où d'habitude, dans une archi event-driven, par exemple, on découple volontairement tous nos services, on n'a jamais trop écrit notre process en entier. Donc à part faire un gros test end-to-end, j'ai pas vraiment de manière de tester mon process. Ici, c'est écrit dans une méthode Java, donc je peux complètement venir tester ce workflow. On ne va pas le faire en live coding parce que je ne vais pas vous faire cet affront. Mais en gros, Temporal vient avec un SDK de test que vous pouvez utiliser dans vos tests ou à l'intérieur. Et oui, on n'a pas écrit les bons. Mark order as prepared. Ça a l'air de compiler. En gros, il y a une extension JUnit 5 dedans. Il y a aussi JUnit 4 ou pas de JUnit du tout qui va vous permettre de recréer un Temporal in-memory. Je vais dire que c'est pour tester cette implémentation de là. J'ai un peu de config à cause de Kotlin ici, mais on passe dessus. Et donc vous récupérez votre environnement, vous allez enregistrer vos workers et vos implémentations. Donc là, mes services, c'est des mocks. Si j'ai accès aux implémentations, je peux complètement mettre les implémentations. Je débarre mon process un peu comme tout à l'heure. Et à chaque étape, je vais venir faire mes assertions, faire mes vérifications. Okay, donc en fait, je suis complètement capable de tester ça. On va se lancer le test, même s'il y a un risque que ça ne fonctionne pas. C'est pas très grave. Hop là, il y a un petit bug. Bon, en gros, il vous remet tout l'historique de votre workflow. Ah, je sais ce qu'on a oublié. Bah, on va se faire en live coding. Tac. Une fois que le paiement est capturé, il faut mettre à jour le statut du paiement à captured. Non. Ok. Et là. Je flex un peu si ça marche. Si ça marche pas, vous avez le droit de me huer. Yay! Merci.
Bon, ça vous paraissait peut-être archi-verbeux. En vrai, avec un peu d'huile de coude, dans ma mission, on avait fait une surcouche de l'extension JUnit. Ça ressemblait à ça, des choses qu'on connaît un peu plus. On déclare le workflow qu'on veut tester ici. On déclare les activités ou les sous-workflows. On n'a pas vu aujourd'hui qu'on veut tester, sur quel queue ils sont, etc. Et après, on peut s'injecter l'interface du flow ici. Et on teste normalement comme un test. Donc ça, c'est un super pouvoir de temporal. Et donc, niveau testabilité, on est au top. Mais c'est pas tout. Et là, on arrive sur les points qui fâchent, les points qui sont en fait les plus compliqués quand on a une archi distribuée, des process longs, etc. Ben, ok, qu'est-ce qu'on fait quand ça se passe mal? C'est quoi mes fallbacks? Est-ce que, bah, tant pis, l'utilisateur a payé, mais je ne lui envoie pas sa commande? Et avant de passer à la suite, j'ai une petite confession à vous faire. Je vous ai menti. En fait, depuis le début que je fais ce talk, j'ai une activité sur trois qui se trouve une exception, qui fail, mais pourtant on ne l'a jamais vue. Et en fait, donc je vais vous le prouver d'abord avant de vous l'expliquer. Donc je lance plein d'activités. Forcément, je vais aller chercher celle qui a fail, je vais tomber sur la dernière. Tac. Attempt 1, raté. Je l'avais prédit. Attempt 2, ok. Je vais rater une fois sur trois. Et en fait, c'est parce que dans Temporal, de base, à chaque fois que vous lancez une activité, il y a une retry policy qui est attachée. Elle était cachée juste ici. Donc il y a plusieurs paramètres sur lesquels vous pouvez jouer, combien de retry vous voulez faire, de combien de temps vous augmentez... entre chaque retry, combien de temps vous mettez, de combien de temps vous augmentez votre temps, etc. Au bout de combien de temps, bah, c'est mort. Et de base, bah, y a un nombre d'essais illimité. Et donc, si je retourne dans mon process, ces retry options, j'aurais pu les mettre ici. J'aurais pu mettre, OK, 7, maximum attempt à 3. Et mon activité n'aurait réessayé que jusqu'à 3 fois. Donc, en fait, tous les retry que vous pouvez faire quand vous auriez une petite indispo, un petit service qui est down, une migration, quelque chose qui ne se passe pas forcément, la temporal va dire, OK, j'attends un petit peu, je relance ça plus tard. Et c'est totalement transparent pour le développeur. En fait, il n'a pas à se concentrer sur ces choses-là. Il écrit juste son code de process. OK, les retries, c'est bon, mais imaginons que j'ai quelque chose qui expire dans mon application, j'arrive pas à faire des retries, j'ai vraiment un problème de... Je dois faire un update dans mon appli. Qu'est-ce que je fais de mon process qui est en cours et qui ne se terminera pas? Dans Temporal, ils introduisent une saga. Donc c'est un petit objet utile. C'est pas spécifique à Temporal, le pattern saga, mais il y a l'emblème dans le SDK. Et en fait, pour chacune de vos activités, des opérations que vous allez faire dans votre process, vous allez rajouter la compensation. C'est l'activité qui annule l'opération précédente. Donc là, si c'est réserver un article, ça va être remettre l'article dans l'inventaire. Si c'est capturer un paiement, ça va être rembourser un paiement. Et là, s'il se passe quelque chose dans les trois petits points verts, ben, je vais le catcher dans un try-catch et je vais venir compenser, donc exécuter toutes les compensations que j'ai enregistrées dans ma saga. Et donc, en fait, je vais venir remettre à zéro mon process. Donc, si j'ai vraiment des erreurs qui ne sont pas... un simple retry ne suffit pas, je peux complètement venir annuler mon process. Et du coup, ça fait que je m'approche d'une atomicité... Donc pas dans une atomicité SQL, mais vraiment une atomicité de mon process. Soit il va au bout, bah soit je le rollback à un état comme si c'était rien passé. Attention, malgré tout, il n'y a pas que du beau et du rose dans Temporal. Il y a quelques petits points d'attention. Et le plus gros point d'attention, c'est la rejouabilité. Si je vais dans un vieux workflow, j'espère que ça va crash, ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, l'historique que j'avais écrit avec ce workflow-là, bah, il n'est pas compatible avec ma nouvelle définition de mon workflow. Temporal, il n'est pas capable de redérouler par rapport à son historique, il y a un mismatch. Et donc, en fait, on va beaucoup parler de rejouabilité, d'idempotence, si vous aviez des randoms, des UUID, des choses qui jouaient avec la date. Bah, il faudra faire attention à tous ces trucs-là dans l'exécution de votre process. Il y a les outils pour. Vous pouvez versionner vos workflows pour être sûr que chaque workflow fonctionne bien avec l'implémentation avec laquelle il a été lancé. Vous pouvez faire des tests de non-breaking change en sortant votre historique, le mettre dans un JSON et relancer votre workflow, vérifier qu'il n'y a rien qui ne marche pas. Tout ce qui est aléatoire, c'est à wrapper. Et la sérialisation, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais tout doit être sérialisable.
Donc ça, c'est les plus gros points d'attention quand on utilise temporal. J'espère vous avoir montré depuis le début que c'était facile à utiliser. On a une vue unique de notre process, elle tient en 20 lignes. On a très peu de boilerplate, on a un peu d'injection de dépendance avec des paramètres, mais c'est pas non plus dramatique. On l'a fait évoluer depuis le début, donc ça a l'air facile à utiliser, facile à évoluer, et pour l'avoir utilisé pendant un an et demi, ça l'est. Niveau maintenance, ben en fait, j'ai pas à maintenir mon architecture, j'ai pas à maintenir ma plomberie, c'est temporal qui le maintient, c'est open source. C'est cross-language, aujourd'hui on a fait du Java, mais ça pourrait être du Go, du Python, du TypeScript, du PHP, du .NET. C'est interopérable pour peu que ce soit serialisable entre les langages. C'est très bien documenté, il y a une plateforme pour apprendre avec des 101, 102 dans à peu près tous les langages. Il y a plein d'autres choses dont j'aurais voulu vous parler, mais on n'a pas le temps, il ne reste que 4 minutes. Donc, si vous voulez l'utiliser, il y a une version cloud. Ça coûte 1 million d'actions, ça coûte $25. On peut aller se faire l'expérience de combien ça aurait coûté un process aujourd'hui complété. Tac. Donc les actions, c'est ce que vous voyez là. Aujourd'hui, on a 34. 1 million raté. Là, c'est 1 million, c'est 5 000 divisé par 34. Voilà, on pourrait faire 30 000 commandes pour $25. Donc, à vous de voir si ça vous convient. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais c'est sous licence MIT. Donc assez permissif niveau déploiement et utilisation. Avec Takima, on est partner. On vous met un code promo si vous voulez tester la version cloud de $500. Je vous le remets juste après. Pour le mot de la fin, je voudrais qu'on se rende compte de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait monter une architecture, enfin, coder un process métier qui répond à ma checklist de mon architecture. Ça tient en 25 lignes, avec les petites lignes d'en dessous. C'était stable, je comprends ce qui se passe. J'ai eu peu de choses à apprendre. En réalité, là, vous avez vu 95% de ce que du vocabulaire temporal qu'il faut savoir. Mes services, ils n'ont pas bougé. C'est toujours mes services Spring. Et donc aujourd'hui, je pense que si on démarre un projet ou qu'on a ces problématiques-là, il n'y a plus aucune raison de partir sur une tête baissée, sur une solution maison, quand il y a des solutions comme temporal qui sont aussi matures et bien faites que ça sur l'étagère. Donc, utilisez temporal. Je vous le dis depuis le début que j'aime bien, donc c'est peut-être pas le cas. Je vous ai mis une quote de Netflix là, il n'y a pas longtemps. Je vous laisse un peu de temps pour la lire. Donc voilà, j'arrive à la fin de mon talk. Merci beaucoup pour votre temps. N'hésitez pas à venir m'en parler si vous avez des problématiques, vous avez envie de faire mettre quelque chose en prod sur un petit process de votre infra. On est tout adapté pour vous aider là-dessus. Et merci de votre attention. Ouais, juste. Et du coup, je vous push la branche d'aujourd'hui sur le GitHub, juste après. Et si vous avez des questions, il nous reste 1 minute 45. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Là, vous étiez sur un seul socle technique, enfin, c'était une API, j'ai l'impression. Si je suis sur une pure architecture microservice, où j'ai le shipping dans un microservice et tout, ça marche aussi? En réalité, là, je lance un monolithe parce que c'est plus simple. Mais j'ai aucune dépendance Java à part du runtime côté Maven. Donc en fait, d'un point de vue temporel, il n'y a aucune différence à si vous lancez tout dans un monolithe ou dans les microservices, exactement pareil. Mais bien vu. Je vais parler fort, c'est bon. Oui. Il y a une durée maximale pour une saga ? Non, il n'y a aucune durée maximale ni pour un workflow, ni pour une saga. Il y a des gens qui sont vraiment très impliqués dans temporel, qui stockent leur user dans temporel. Et il ne termine jamais le workflow. Genre, tu es en vacances un mois pour le Video Game Store, c'est bon, les commandes n'aiment pas. Ouais, tout okay. Ça peut rester open à l'infini. Merci. Il y avait une autre question en orange, je crois. Non ? Bon, merci à vous.